Hello. Je crois que je suis à la bourre. Mais oui, il est plus de 17h. Bravo. Bravo, ça commence bien. Je vous propose un rendez-vous, j'arrive en retard. Super. Bon, entre nous, maintenant que vous faites un peu partie de ma vie, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Salut à tous. Salut Clotilde. Voilà, je suis soit très en avance, soit voilà. J'ai pas le juste milieu à l'heure, c'est compliqué. Bon, j'espère que ça va. Salut Coco. J'espère que ça va, j'espère que vous êtes en pleine forme. Salut Christine. On se retrouve à 17h aujourd'hui. Donc c'est plutôt sympa hein, pour ceux qui n'aiment pas se lever tôt. Normalement, vous êtes contents pour cet horaire. Salut à tous. Surtout pour un nouveau rendez-vous, vous savez que j'aime bien changer. Donc là, aujourd'hui, on va travailler que le haut du corps. Contente de te voir. Mais moi aussi, je suis contente de vous voir. Voilà, plein de smileys dans cet appart que vous connaissez par cœur, hein, chez Chaton. C'est Chaton. Pendant que je vous ai, avant qu'on commence, oui, un live. On est en direct, en chair et en os. Tac. Bah oui, en chair et en os, vous êtes comme si vous étiez avec moi. Pendant que je vous ai, il va nous falloir une paire d'haltères, entre guillemets. Donc vous savez, soit moi j'ai des briques de lait aujourd'hui. J'ai des briques de lait, un litre. J'ai un litre. Si vous... Oh, hello from Grace. Salut, toujours fidèle, j'aime. Si vous avez un kilo... Enfin, si vous avez des haltères de 2 kilos, c'est l'idéal. Si vous avez des bouteilles d'eau de 2,5, c'est encore mieux. De 1,5, je veux dire. Après, si vous avez des haltères, les garçons, si vous voulez prendre 3 kilos, vous pouvez. Voilà. Quelle heure chez toi? Bah, chez moi, il est 17h. Bah, maintenant, il est 17h05. From Mexico! Yes! Génial! Pourquoi il y a eu un smiley pas content? Dis donc. C'est quoi smiley pas content? Pourtant, on est content de se retrouver. Bah oui, hein, content de se retrouver en live. Donc, je disais, une paire d'haltères. Après, on va tout enchaîner, vous savez. Après, on n'aura plus de récup. Hein. Aujourd'hui, on va travailler que le haut du corps. Donc, ça veut dire les pecs, les épaules, les biceps, je vous fais un peu la demi, les triceps et les abdos. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est tout. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Avec, je vais essayer de rajouter un petit cardio quand même, parce que le muscle le plus important, il est là. Donc, le cours va durer que 30 minutes. En 30 minutes, après, vous savez, je vous ai annoncé hier un 15 minutes gainage. Du coup, c'est deux cours différents. Donc, on va faire le cours de haut du corps. Et ensuite, on va raccrocher et je vais vous proposer un nouveau live tout de suite après pour le 15 minutes. Ok? Ok. Mais vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas faire le 15 minutes gainage, il y aura bien sûr du gainage tout de suite là maintenant. Bien sûr. Voilà, c'est évident. Est-ce que je peux avoir une petite vague de smiley avant de commencer? Est-ce que je peux avoir une petite vague? Oui! Cédric, les pêches sont au repos. Exactement. Pour cette édition, elles sont au repos. Mais comptez sur moi pour trouver exactement, comme dit Fanny, la prochaine fois, on se fait tout le bas. Devant le quadriceps, ischio, fessier. Voilà, c'est évident. C'est évident. On est ultra nombreux, je suis trop contente. Bon, bah, je crois que j'ai vu la vague de smiley. Alors, j'ai mis une musique d'ambiance, hein, mais c'est bon. On n'est absolument pas sur la musique. Oui, car aujourd'hui, on va travailler une minute. Une minute. Et je vous promets, une minute, quand on fait des pompes, c'est très long. C'est très long, mais c'est pour votre bien et vous le savez. Vous le savez. Voilà. Non, j'essaye de ne pas faire attention, mais par contre, s'il y a des petits smileys pas contents, bah, vous pouvez... Voilà, moi, je ne vous force pas à suivre mes lives. Voilà. Mais après, je ne regarderai plus, mais ça m'embête quand même. Si c'est pour mettre de la mauvaise humeur, vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà, ici, il n'y a que de la bonne humeur. Que de la bonne humeur. Et ça ne m'atteindra absolument pas. Voilà. Moi, je suis heureuse dans ma vie. Et vous aussi. Voilà, les gens pas contents, on s'en fiche. Voilà, c'est la dernière fois que j'en parle. Bon, une minute, trop hâte, on est parti pour 30 minutes. Donc là par contre, on commence direct au sol et vous savez quoi? On commence par le meilleur exercice du monde. Je vous propose une minute de gainage. Échauffement. Allez, on se met en position. Moi, je mets le petit chrono. Hop. Alors, en place, il faut que vous me voyez bien. Hop, on va commencer sur les coudes. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, j'ai 5 minutes pour vous échauffer. Let's go.
Alors, hop, là c'est mieux. Allez, on commence en planche. Les coudes sous les épaules, vous rentrez le ventre le plus possible, vous alignez épaules et fessiers. Et pieds si vous êtes sur les orteils. Bien sûr, si vous voulez commencer sur les genoux, vous commencez sur les genoux. Hop. Le regard entre les mains, on allonge la nuque. Et là, on reste concentré. C'est de la respiration et de la concentration. Allez. On a fait plus de la moitié. Il reste déjà 20 secondes. Vous avez vu, ça passe vite la minute. Ça passe très très vite. Allez, dans 10 secondes, on se met en planche latérale. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On tourne. Allez, sans perdre son gainage. Donc, soit vous restez sur les orteils, vous poussez les hanches vers le plafond. Le ventre est toujours rentré et on aligne toujours son coude sous son épaule. Si besoin, hop, un genou au sol, jambe fléchie et vous allongez la jambe du dessus. Une minute, là aussi également. Je pense que vous êtes en train de comprendre mon échauffement, mais je vous dis rien. Je vous dis rien. Je vous sensibilise au meilleur exercice du monde, ce n'est pas pour rien. Parfait. Allez, 25 secondes. On expire par la bouche. Vous allez voir, vous allez contracter un peu plus vos abdos. Allez, dans 15 secondes, on revient en planche. 15 petites secondes. Encore. Allez, planche, bras tendus cette fois-ci. Mains sous les épaules, ouvrez au maximum vos mains. Vous avancez vos épaules. Avec la fatigue, on a tendance à faire ça. Et là, vous sentez dire, ah, c'est plus facile. Non. Hop, on aligne. Épaules et coudes. Si besoin, ici aussi. Si la minute est trop longue, vous avez besoin de vous relâcher quelques instants. Vous relâchez, une minute de gainage, c'est déjà ultra long. Allez, dans 30 secondes, on change de côté. Hop, moi je change directement de côté. Donc je reste face à vous. 20 secondes. 20 secondes, hop, mon petit palmier. Mon gros palmier, là. Allez, 10 secondes. Et on tourne en planche latérale de l'autre côté. Donc normalement, vous me tournez le dos. 3, 2, 1, on tourne. Hop, pourquoi j'ai une musique du stretch? Bon, bah les aléas du direct, c'est une musique de mon stretch. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Bon, c'est pas grave, on fait que du gainage. Hop. Allez, nous, il nous reste, allez, un peu plus de 30 secondes. Je sais que ça commence à être difficile, donc si besoin, on est là, on est là. Allez, ressentez tout votre corps travailler, il reste 20 secondes. Dans 20 secondes, on se met sur les avant-bras, et oui. Encore 10 secondes, 10 petites secondes. Parfait. 3, 2, 1, planche. Vous pouvez poser les genoux au sol car vous allez tendre le bras droit, fléchir, tendre le bras gauche, plier, plier. Allez, pendant 30 secondes, on fait toujours le même bras en gardant les hanches fixes. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, sur les orteils, mais en contrôlant le mouvement, je veux que les hanches restent fixes. Donc prenez le temps. Allez, 30 secondes, on change de côté. On change. Et regardez bien, ma main est sous l'épaule. On triche tous en avançant ses mains. Allez, 20 secondes. 20 secondes, il vous aurait fait 5 minutes de gainage en échauffement. 5 minutes. Allez, 10 secondes. Encore. 4, 3, 2, stop! On relâche. Pouh! Échauffement fini. La bonne nouvelle,
travail. Donc, une minute de pompe pour commencer. 20 secondes de récupération à chaque fois. Allez, placez les mains à l'extérieur du tapis. On commence sur les genoux. Une minute, c'est très long. Allez, c'est la seule fois que je remets à zéro. 3, 2, 1, c'est parti. Pompe large. Je fléchis les coudes à 90 degrés. La poitrine frôle le sol. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Bien sûr, si vous êtes à l'aise, sur les orteils, mais il faut que tout le corps remonte d'un seul bloc. Pas lombaire, hein, vers le sol. Hein. Ça, je vois beaucoup ça. Hop, là, c'est que vous manquez encore un tout petit peu de force dans les bras et dans les pecs. Hein. Donc, posez les genoux. Et là, vous allez progresser. Il reste 25 secondes. Hop, si besoin, je rapproche. Les genoux sous les hanches. Et là, j'enfonce le sol avec les paumes de main. Je veux pas avoir ça. Je veux vraiment que vous mettez de la force à la descente comme en haut. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Et là, c'est le nez qui va aller chatouiller le sol. Le nez. Donc les gars, vous êtes aussi en pompe comme ça. 3, 2, 1. Hop, talons fesses. Debout. Debout. Allez, talons fesses, talons fesses, talons fesses. 10 secondes. Bah oui, hein, on fait monter le cardio. Allez, talons fesses. La suite, on se place au sol en écarté couché. Allez, sur le dos. Jambes fléchies. On ouvre les bras et on ferme. On ouvre, on ferme. J'inspire, j'expire. Vous rentrez le ventre, toujours pour contracter les abdos. Et là, vous levez la poitrine le plus possible. Il faut que vos omoplates se serrent sur le sol. Hop. J'inspire, j'expire. Hop, les plus à l'aise, vous pouvez décoller les pieds du sol. Il faut que les bras restent longs, on en écarté couché. Hein. Le poignet frôle le sol à chaque descente. 20 secondes. Sur cet exercice, on ne pourra jamais charger très très lourd. Sinon, on va avoir tendance à fléchir les coudes. Moi, je veux des bras bien ouverts. Bien, bien ouverts. Allez, non, stop. Stop. Debout. On court. On court. Allez, on court, on court, on court. Bon, on reste toujours sur le haut du corps. On a fait les pecs principalement en pompe large. Le deuxième tour, c'est pompe serrée. Pompe serrée, au sol. Allez, c'est parti. Mains sous les épaules. Vous fléchissez, vous tendez. Vous fléchissez, vous tendez sur les genoux. Sur les genoux. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Il faut que vos coudes se dirigent vers l'arrière. Vers l'arrière. Identique, là aussi. Vous pouvez garder les genoux sous les hanches. Vous enfoncez le sol. En bas comme en haut. Il reste 30 secondes. 30 secondes. Là, même en rapprochant mes genoux, je peux avoir les triceps en feu. Car je mets de la force. Je mets de la force dans les mains. Je contracte mon triceps. 13 secondes. 13 secondes. Les warriors, c'est sur les orteils. Pied largeur d'épaule. Au top. Debout. Debout. Courez. Courez. On court. On court. La suite, on va rester. On ne voit pas. La suite, on va rester debout. Hop. En développé militaire. Allez. 3, 2, 1. Prenez les haltères. Debout. Allez, bras, les coudes fléchis à 90 degrés. Vous tendez les bras vers le plafond. Hop, si on voit mes bras, c'est là. Ici. Allez. Le but, les warriors. Si vous êtes à l'aise, je veux le squat. Uniquement si vous arrivez à garder le dos parfaitement droit. Bras fléchis, je tends. Bah oui, un petit travail sur les cuisses, ça fait pas mal. Sinon, vous restez debout, pied large en épaule. Le but,
Je mets au sol pour que vous me voyez bien. C'est vraiment l'extension des bras. L'extension. Bras tendus vers le plafond. Coude au niveau des épaules, constamment, toujours en levant les pecs. Allez, il nous reste 10 secondes. 10 secondes. Là, ça brûle. Là, ça brûle. Stop. Courez. On court. On court. Cinquième. On va travailler le dos et l'arrière de l'épaule en oiseau. Donc là aussi, il faudra les haltères. Courez. Courez. Stop. Allez, dos droit. Vous ouvrez les bras à 90 degrés. 90 degrés. C'est comme l'écarté couché. C'est exactement le même but. Il faut ouvrir les bras le plus possible. Mais on a tendance à arrondir le dos. Hop, à faire... Non. Fesses en arrière, hanche en arrière, dos droit. Hop, le ventre toujours engagé. Vous ouvrez, vous fermez. Vous ouvrez, vous fermez. À chaque fois que vous ouvrez, vous devez sentir vos omoplates se rapprocher. J'expire en haut, j'inspire à la descente. 20 secondes. Si vous sentez que vos lombaires s'attirent dans les lombaires, vous pouvez vous redresser. Mais là, ça veut dire forcément que le dos s'arrondit. Allez. 10 secondes. 10 secondes. La suite, c'est de monter le genou en 20 secondes. Stop. Genou. Genou. Allez, on lève, on lève, on lève, on lève. 10 secondes. 10 secondes ou sinon ici. Voilà, faut pas que je compte loin. Ici. Allez, 3 secondes. Un tirage. Allez, le même exercice. Vous basculez vers l'avant et là, vous tirez. Vous allez tirer 10 fois. 10 fois vers le haut. 1. 2, 3, 4, 5, 6, la suite, biceps curl, 7, 8, 9, 10, on se redresse, biceps, 10, 9, 8, vos les coudes restent au niveau des épaules, hop, et vous amenez l'haltère au niveau des épaules, 10 et 10, 5, 4, 3, 2, et vous reprenez les tirages, vous basculez, basculez, tirez. Coude vers le haut, les jambes sont légèrement fléchies, on a tendance à rester jambes tendues. Non, vous fléchissez, tirez. Allez, 10 de chaque, 10 de chaque. Encore, le meilleur exercice pour renforcer le dos. Allez, on continue. 3, 2, 1, on court. Allez, avec les haltères. Hein. Si vous voulez retirer les haltères, bien sûr, vous les retirez. Hein. Allez, 5 secondes. La suite, c'est les triceps. Stop. Vous décalez un pied en arrière. Vous tendez les bras et vous fléchissez. Coude bien serré. Vous tendez les bras vers le plafond. Vers le plafond. Hop, je me mets juste un genou au sol pour que vous voyez bien mes bras. Fléchissez, tendez. Fléchissez, tendez. Plus les coudes sont serrés, et plus vous demandez à votre triceps de travailler plus dur. Plus dur. Plus il s'écarte, plus il se relâche. Donc le but, on essaye de les garder serrés. Et il faut que vos haltères touchent le haut du dos à chaque descente. J'inspire, j'expire. Hein, et toujours, on a tendance à rentrer le menton parce qu'on est dans le mal. Non, redressez-vous, vous levez les pecs, vous levez le menton. Allez, 10 secondes. 10 secondes. Encore 5 secondes et on reprend la course. Genou, genou. Allez, on a 20 secondes. 20 secondes de sprint. Accélérez, accélérez. Encore. Ensuite, on reprend les haltères et les squat press. 3, 2, 1. Prenez les haltères devant vous. Vous fléchissez, on fléchit. On tend. Allez, vous poussez toujours les fessiers en arrière en squat, dos droit, et vous tendez les bras vers le plafond. C'est les jambes qui font le trois quarts du chemin. Allez, une minute,
pour enfouler le plus possible le cœur. 1 minute. J'inspire, j'expire. Mais si vous désynchronisez, c'est-à-dire que vous tendez les jambes, puis ensuite vous tendez les bras, là c'est pas possible. Vous allez juste être dans le mal. J'ai dit c'est les jambes qui vous donnent l'impulsion. Allez. 20 secondes. 20 secondes. Encore. Dans 10 secondes, c'est la fausse récup. Dans 10 secondes, on pose et on part en squat planche. Squat planche. Stop. Genoux. On a les genoux avant. Genoux. 20 secondes de genoux. Je veux du sprint. Ensuite, au gong, continue à courir. Ça sera squat planche, non-stop. Allez. On ouvre. Let's go. Squat planche sans le saut. Squat planche. Squat planche. Non-stop. Fesses en arrière. La poitrine reste toujours vers l'avant. Vous posez vos pieds, vos mains. Vous jetez vos jambes. Vous ramenez et vous levez. Sinon, il reste 40 secondes. Je pose. Un pied, je ramène. Main, main, pied, pied. Hop, mais sans arrondir le dos. On est toujours là. Vous voyez la différence, là et là. 10 secondes. Et oui, faut quand même mettre du cardio. Hein. Mais il n'y a pas le saut. 3, 2, stop. La bonne nouvelle, on se refait un deuxième tour. Allez, pompe, pompe. Replacez-vous. Dernier tour. Allez, 3, 2, 1, go. Allez, deuxième tour, c'est tellement mieux. Tellement mieux. On trouve, c'est toujours l'amplitude. Je pense que je l'ai dit 500 fois par cours. Mais parce que je vois beaucoup ça. Non, là, vos pecs, ils rigolent avec vous. Hein. Non. Ici, là, ça bosse. Donc, si vous n'avez pas encore la force, rapprochez vos genoux. Rapprochez. On rapproche. Il reste 20 secondes. Pour ceux qui veulent se mettre sur les orteils, c'est maintenant. Maintenant. Allez, 15 secondes. 15 secondes. 10 secondes. On est quoi? Le corps, il monte d'un seul bloc. D'un seul bloc. Quand ça sonne, jumping jack. Debout. Tout de suite. On ouvre, on ferme. Et oui, allez, jumpy jack, tout de suite. Ensuite, c'est l'écarté couché. Allez, on fait chier en squat, les genoux bien ouverts. Vous descendez l'ange vers le sol et vous levez les bras. Au sol, écarté couché. On y va. Écarté couché sur le dos. Allez, let's go. On aligne cuisse avec les hanches. Sinon, on n'oublie pas pied au sol. Ressentez à quel moment vous sentez la poitrine. Travaillez. C'est quand vous refermez. Allez. Il reste 30 secondes. Les plus foufou, vous tendez les jambes à 45 degrés. 45 degrés. Là, vous allez ressentir le gainage. On continue. 45 degrés, on salit talon. On rapproche les cuisses, on contracte. En regardant bien le bas du dos au sol. 10 secondes. 10 petites secondes. Ensuite, on se redresse, jumpy jack. Stop. Allez, debout. Debout. À votre envie, vous pouvez me faire ça. Hein. Mais moi, c'est juste le fait de se redresser qui va faire monter le cœur. Allez, on y va. 5 secondes. Ensuite, c'est les pompes triceps. Stop. Allez au sol. Allez, pompe triceps. On y va. On bascule le poids du corps en avant. On rentre le ventre.
et on fait chier. C'est les pompes les plus dures, ça maintenant vous commencez à le savoir. Oui, c'est les plus dures. Mais c'est vraiment celles-ci qui vont dessiner la forme du bras, car le triceps est plus sollicité. On mettra plus de temps à faire une pompe sur les triceps, sur les orteils, qu'en prise large. On n'oublie pas ici, ici. Mais il faut que vous ressentiez le mouvement. Je veux pas juste ça. Là, on sent rien si je fais juste ça. On engage ses muscles et on force. Hein. Vous voyez? Hop, je repousse le sol avec la paume de main. Il reste exactement 10 secondes. Ceux qui veulent se mettre sur les orteils, c'est maintenant. 10 secondes. Donc j'ai vu, est-ce que ça sera sur YouTube? Oui, ça sera sur YouTube, hein, bien sûr. Allez. On ouvre, on ferme. 4 secondes. On termine par le développé militaire. Allez, stop. Développé militaire. Position de squat. On y va. Sinon, n'oublie pas, c'est jambes tendues. Jambes tendues. Vous pouvez décaler un pied. On lève la poitrine, on serre les omoplates et on tend les bras. J'ai dit c'est le meilleur exercice pour renforcer les épaules, car vous renforcez tout ici. Antérieur, moyen, postérieur. On va avoir des belles noix de coco pour cet exercice. Allez. En général, c'est celui que vous adorez par-dessus tout. Par-dessus tout. Allez encore, tendez les bras. Je vous vois venir. Hop, je vous envoie des trucs comme ça. Non, on a dit extension. Il reste 10 secondes. Est-ce que le squat est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là? Allez, à 5 secondes, tout le monde peut se mettre en squat. Allez. Stop. Jack. Allez. Vitesse. En 20 secondes. Vitesse. Même si vous avez mal aux épaules. Même si. Allez, on continue. On est bien, sinon vous pouvez faire des petites tapes. Petit tap. 5 secondes et on enchaîne avec l'oiseau. Allez, on bascule vers l'avant, l'oiseau. Comme ça, moi, vous connaissez tous les noms d'exercices en musculation. Donc, le but, je répète, c'est de garder les bras ouverts. Car je vois toujours ça. En cours, je vois ça. Là, vous n'avez pas des ailes, là. Vous êtes atrophiés. Non! Ouvrez, mais en restant bas, pas en se redressant, on ne triche pas. Même au poids de corps, même sans rien, on peut vraiment enflammer les épaules. Hein. Vraiment, 20 secondes. Allez, 10 secondes, parfait, je vous vois, je vous dis que c'est parfait. Allez. Je pense que vous avez bien conscience de quel muscle bosse. 2 secondes. Stop. Jumpy jack. Allez, let's go. Je crois que vous ressentez bien vos épaules. Allez, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. C'est bientôt la fin, je vous vois. Allez, 5 secondes. 10 tirages, 10 biceps. Stop. Allez, vous commencez dans l'ordre que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, on commence. Paume de main près du corps et en haut à la montée. Près du corps, en haut, ça fait ça. Tac. 10 et 10. Ensuite, tirage. 10, 9, 8, 7, 6, parfait. 5, dos droit, 4, dos droit, faites attention. Allez, qui peut me faire un max de tour? Qui peut me faire un max de tours. Vidal, on essaie d'en faire 4 ou pas? 4 ou pas? Allez, il vous reste 15 secondes. Moi, du coup, je compte pas. Hop, on va dire c'est 10. Hein. Allez, il vous reste 10 secondes. 10 secondes pour peut-être terminer votre tour. 10 secondes. Encore. On pose. Jack, let's go. Allez, restez avec moi. C'est déjà bientôt fini, hein, ça peut...
Allez, enflammez-moi votre cœur. Enflammez-moi votre cœur. 3 secondes. Triceps. Stop. Triceps. Allez. On bascule une jambe. On tend les bras. Et on fléchit. Je vais mettre sur les genoux pour que vous voyez bien. Vous aussi, vous pouvez mettre sur les genoux d'ailleurs. Je fléchis. Hop. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Par contre, je veux vers le haut. Car on a tendance, hop, à allonger. Non, vers moi. Non, je ne veux pas voir vos haltères. S'il vous plaît, je ne veux pas les voir. Allez, 30 secondes. C'est pas mal avec des briques de l'air, en fait. Je vous promets, bah, ça coûte moins cher que les haltères. Et franchement, c'est rentable. Hein. Je vous le dis, c'est pas mal. Allez, il nous reste exactement 10 secondes. 10 secondes et ensuite on se redresse et je vais les jumping jacks. Encore. Allez, 3. Debout. Allez, jack. Allez, ouvrez, pliez vos jambes. Pliez vos jambes pour affoler le cœur. Pliez-le. Parfait. Allez, restez avec moi 5 secondes et on reprend les haltères. Stop, squat press, 1 minute, tout de suite, tout de suite. Mouvement complet, le plus complet. Le but, on essaie d'aller chercher ses cuisses avec les coudes. Mais en gardant le droit, si vous faites ça, non. Le but, on descend ses fesses. Hein. Bonne position. Plus vous descendez bas, plus c'est facile. Allez, on a fait plus de la moitié. Du coup pour vous, mais c'était voilà un petit commentaire. Ben oui, c'est 30 minutes, même moi, ouais, 2 tours de 15 minutes absolument identiques, donc c'est déjà fini. Donc bah oui, c'est trop court, donc c'est pour ça que j'ai fait 2 cours. Pour ceux qui le veulent, rendez-vous tout de suite et on se fait 15 minutes gainage. Donc j'attends juste un petit peu les ressentis. Moi, franchement, avec les briques de lait, je vous promets, regardez, hein, j'ai bossé. Hein. Franchement, ça fait un bien fou de s'entraîner avec toi. Oh, vous êtes trop chou. Franchement, 50 pêches, je suis trop contente. Trop, trop contente.
Ouais, parce qu'après, je verrai pas les commentaires, donc je préfère les voir maintenant. Voilà, donc peut-être qu'on se fera un 45 minutes au du corps. Peut-être. Mais j'avoue, même moi, je me dis, oh là là, c'est trop court. Mais au moins, voilà, quand vous n'avez pas le temps, parce que je suis consciente que des fois, vous n'avez pas le temps, on n'a pas le temps de faire des longs entraînements. Ben là, en 30 minutes, vous avez vu, on a chaud. Et bon, après, on est axé que le haut du corps, et c'est ce qu'il faut faire. Hop. Il faut vraiment un jour vous dites, je travaille le bas du corps, le lendemain je travaille le haut du corps, ensuite le surlendemain je fais du cardio. Il faut vraiment cibler ces entraînements. Et là c'est le plus efficace possible. Bon, du coup je coupe le live et on se retrouve tout de suite hop, pour 15 minutes de gainage. Aïe 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 aïe. Allez, 15 minutes, je vous fais des bisous et rendez-vous à tout de suite. Essoufflez quand même, gainage, oui. Allez, rendez-vous tout de suite. Tout de suite.